Le 12 septembre dernier, le ministère de la Culture a reconnu le chant de marin comme étant un élément du patrimoine national, du patrimoine culturel immatériel. D'abord, ça représente une partie de l'élite, les décideurs, jettent un autre regard. Pour nous, c'est un autre regard que va porter une partie de la population. Et la population elle-même va se retrouver reconnue comme étant porteuse d'un patrimoine.